Merci, monsieur le ministre. Même avis défavorable. Merci, monsieur Aubert. Puis madame Bullier. Oui, je voudrais dire que c'est proprement incroyable. Dites-moi, madame Pompili, vous savez, 80% du marché solaire européen sont des produits chinois. Vous croyez que vos panneaux photovoltaïques chinois, ils sont produits dans les conditions sociales de la France? Et dites-moi, monsieur Baupin, vous n'avez jamais porté des chaussures? Vous avez vérifié les chaussures que vous achetez, si lorsque vous les importez de Chine, elles sont produites dans les conditions sociales? Non, mais si vous voulez avoir la bonne conscience et donner des leçons de morale au monde, commencez déjà dans votre vie quotidienne. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce procès que vous faites? Alors nous avons, si j'ai bien compris, nous avons un opérateur français, Areva, qui est en grande situation de difficulté financière, et devant le Parlement, vous êtes en train d'accuser cette entreprise d'exploiter l'uranium dans des conditions dignes du 19e siècle? C'est ça? Vous attaquez l'entreprise? Mais quel beau message que vous donnez à ceux qui achètent ensuite la technologie française. Il ne faut pas s'étonner ensuite si Areva ou la filière nucléaire a des problèmes. Voilà d'où ils viennent nos problèmes. C'est parce que nous avons des gens qui les critiquent. Parce que si vous avez des preuves, si vous avez des documents d'accusation, alors dans ce cas-là, il faut le rendre public. Mais je trouve parfaitement scandaleux que vous visiez une industrie particulière qui produit des emplois, alors que par ailleurs, vous faites la promotion d'entreprises qui importent de Chine des choses qui, à mon avis, relèvent totalement de...